bonsoir à vous les Vouves. Les viewers, oui, bonsoir. Allez, vas-y, vas-y. Comment ça se passe, je vais galérer. J'interviewe trop de monde aujourd'hui. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur... Attends, non, c'est de la merde, ça. Moi, j'ai une intro qui pète. T'es chaud? Bonsoir, les amis. Comment allez-vous? Moi, bonsoir. Je m'appelle Centenaire et je suis avec... F4. Comment vas-tu, F4? Très bien, mais fatigué. Ah, très bien fatigué. Pourquoi fatigué? C'était une dure journée. Ah, et... Pourquoi une dure journée? Il a fallu se lever tôt, il a fallu rester debout longtemps, c'est il a vrai. Fallu faire beaucoup de choses, il a fallu revenir, ouais. Et maintenant il faut encore se travailler. Et oui. D'ailleurs, Gugus travaille. Hey Gugus, dis bonjour à la caméra. Non, regarde la caméra, dis bonjour. Bonjour. Voilà, donc globalement on a mis notre petit chinois derrière l'ordinateur pour qu'il commence à travailler. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui quand même? Eh ben aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 avril. De l'Ankama Fanfest? Non, c'était l'Ankama Line-Up. L'Ankama Line-Up. Et donc, c'était une présentation des divers jeux Ankama. Exactement. Et avec divers personnalités bien connues, comme... Xiaolé. Liken. Xiaolé. Xiaolé. Liken. Il y avait Hush. Kuja. Kujafis. Il y avait Florence de la presse Ankama. Oui, exact, que je n'ai pas croisé d'ailleurs. Si, tu l'as croisé, tu ne veux pas juste savoir qui c'était. Il y avait une blondasse aussi à l'entrée super mignonne. Ça ne sera pas coupé parce que je ne fais pas de découpage. D'accord. Et il y avait beaucoup d'autres mondes. Bref, il y avait beaucoup d'autres mondes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rencontré... On a testé Dofus Tablette. On a testé Dofus Tablette. Ouais, c'est vrai que c'est quand même... On a testé trois nouveaux jeux. Enfin, genre, je peux pas parler. Quoi. Non, tu peux pas parler. D'accord. On a testé trois nouveaux jeux. Qui sont... Putain, t'es vraiment un sale, genre tu me fais des jeux, quoi. Alors, qui sont Tactile Wars. Ouais. Un jeu de foot. Striker Arena, un jeu de foot. Et le jeu... Dofus Tablette. Et Abraka. Abraka d'ailleurs qu'on a voulu filmer. C'était interdit. Mais on peut pas, on peut dire ce que c'est quand même. Oui. C'est un party gamer. Hein. C'est ouais. un jeu où on joue en famille. C'est un peu comme un Smash Bros en fait. Plutôt, je verrais plutôt ça comme Mario Party. Bon, on est quand même loin de Mario Party, mais si un peu des deux. Si on devait se rapprocher, c'est un mélange entre. Bon, ça a pas du tout le même univers évidemment. Ouais. Bon, de toute façon, on pourra en parler plus en précision ce soir. Et en plus, on a interviewé Liken Exialé. Et vraiment, c'est des grosses interviews de une demi-heure, genre on a posé toutes les questions. On les a destroyés. On les a pas lâchés, à la fin ils avaient des gouttes de sueur, ils étaient presque en pleurs. Ouais, c'est vrai. Tout ce que vous vouliez, on l'a eu. Et on a croisé aussi des personnalités du monde de Dofus assez influentes. Comme Monsieur Farrell, quand même. Ah, mais c'est un membre du CDO, C'est un membre du CDO, mais il était là aussi pour sa chaîne. C'est vrai. On a croisé aussi Humility. C'est vrai. Des streamers qui montent petit à petit, comme DJ Vince. Avec son compère Philibert, si je me trompe pas. Son compère. Oui. On a croisé Ed Rock, on a croisé Lune Virtuelle. Sneakzy qui était là l'après-midi. Merci, recommence à travailler toi. On a croisé encore beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément des streamers, des simples joueurs. Exact. Qu'on ne connaissait pas forcément, certains nous connaissaient. Oui. C'était une journée rencontre assez intéressante. Ouais, et donc là globalement, on était censé y aller je crois le matin, de 9h jusqu'à 13h. De 10h jusqu'à 13h. À 13h. 3h. 13h. En 3 heures. Oui, donc en tout 3 heures. Ce qui est totalement court. Bah, c'est en fait, on s'attendait vraiment à prendre des vidéos de tout globalement, tester tous les jeux, etc. Ouais. Interviewer Liken Xiaolé. Et au final, interviewer Liken Xiaolé nous a pris 2 heures en tout, hein, les deux. Ouais, avec la préparation et tout. Préparation, vous vous rendez pas compte, mais il y a du taf derrière. C'est au moins 4 jours de préparation. C'est ça. Plus une heure de préparation avant chaque interview, donc c'était un peu compliqué de caler ça dans les 3 heures. Non, en fait, les interviews durent une demi-heure, mais... Moins entre 20 et 20 minutes, je dirais, Mais avant, on travaillait les questions avec eux pour être sûr que... Voilà, plus la préparation qui nous rajoutait facilement. Donc en tout, il y a un peu moins de 2 heures, plus circuler, etc. Donc on devait y être juste ce matin, mais on est resté un peu plus tard, on a déjeuné aussi avec toute la troupe. Donc, on a fait un pique-nique. C'est ça, exactement. Avec tout le monde, on était une vingtaine, je dirais. J'ai pas compté. Vraiment plein de gens, des viewers du CDO. Vraiment. Des viewers, des joueurs, des gens, c'est des streamers. Des... Il y avait un mec qui avait 15 ans, un petit roublard. D'ailleurs, je lui souhaite une bonne épreuve de français pour cette année. Exactement. Mais bon, on va aller vite parce que quand même. Mais quand même, il y a aussi. Oui, ça c'est tease, on se dépêche, on se dépêche. Et là maintenant, il se passe quelque chose, c'est qu'à la fin, Ankama avait prévu de nous donner des choses. Attends, mais juste avant. Et donc là, du coup, vous voyez notre petit chinois derrière qui est en train de travailler, c'est parce qu'on a pris plein de vidéos, plein de sons, des interviews et tout. Dis bonjour au chinois. Oui, voilà. Et donc là, du coup, on va bosser, en gros, on va vous retravailler les interviews, histoire que ça soit bien préparé, des vidéos et tout, etc. Pour le live de ce soir qui a lieu à 21h. Rendez-vous ce soir à 21h, du coup, sur. En espérant que tout soit prêt. Sur le Twitch du Crépuscule d'Opaline. Oui. Vraiment, là, on va bosser. Il est 16h45 ici. Ça veut dire qu'on a
De toute façon, eh, vous allez pouvoir suivre sur, sur Twitter. Il y a un live tweet là qui va durer, vous aurez cette vidéo ce soir, mais c'est pas grave. Non, on va la poster tout de suite là. Il y a un live tweet qui va arriver. Vous allez tout voir, j'ai déjà posté. C'est moi qui m'occupe du live tweet. Hein. C'est déjà beaucoup de photos. Maintenant, on va pouvoir montrer l'essentiel. Ce dont je parlais, le live c'est ce soir 21h. Oui. Très bien, 21h, c'est 9h du soir. Et là, maintenant, c'est les cadeaux qu'Ankerman nous ont offert. Et là, ça va. Ça vous fait plaisir, ça va vous faire plaisir. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc alors, déjà, par quoi on commence? Ah, on fait l'unboxing là? La boîte ou on commence par les autres? En fait, moi ce que je te propose, c'est qu'on déballe les cadeaux ce soir devant eux, mais on leur donne la carte. Mais ça, on sort, on montre à la fin. Déjà, qu'est-ce qu'on sort en premier là? On montre. Bah si tu veux, j'en sais. Ah oui, alors ce qu'on a gagné, Bon, c'est un peu de la gnognotte, mais c'est toujours sympa. Un bouclier. Et le marteau, bouclier, etc. Qu'on fera gagner sans doute. C'est cadeau. Qu'on fera gagner aux viewers dans les prochaines semaines, parce que nous on en a déjà. Enfin, moi j'ai pas, je garde. Moi, on fera gagner plein de petits trucs. Un DVD de Ogrest, la légende, qui était distribué, je crois, à la convention. Exactement. J'ai déjà. Voilà, on va vous faire gagner ça, on vous enverra aussi ça, je pense, par la poste. Enfin, là, c'est vraiment des. Ouais, voilà, exactement. L'essentiel, là, on est à l'essentiel, on doit faire l'unboxing pour gagner des boîtes. Alors voilà, on nous disait, oui, Mr. Envy, etc., unboxing et compagnie. D'ailleurs, on a interviewé D8 aussi, hein. Le CM. Le CM de Crossmaster. De Crossmaster. Qui nous FR et English. FR, globalement, mais. Et aussi. Bon, vas-y. D'abord, on fait l'unboxing. Après, on parlera de la dernière surprise. Ok. Il y a une dernière surprise, restez à la fin. Et c'est que c'est une vidéo qui est censée durer 30 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Alors, on ouvre. Alors, on fait un unboxing. Qu'est-ce que tu as gagné, toi? Parti. Qu'est-ce que t'as gagné? Oulala, c'est une rare. C'est vrai? C'est le chevalier rouge. Chevalier sort les offres aux viewers? Bah, moi, j'ai déjà. Ouais. Si tu veux, on peut l'offrir. Toi, tu gardes la tienne, mais moi, j'en ai rien à faire. Je l'ai dit, celle-là. Ça, c'est la mienne. C'était de mon sac, hein. Ouais, enfin, on peut s'arranger. En tout cas, c'est un chevalier flamme. Moi, j'ai déjà, parce que je suis un joueur, donc j'ai tout. Moi, j'ai déchiré la boîte. C'est pas grave, c'est dur. Donc voilà, un chevalier flamme. Voilà. Et moi, j'ai gagné. Oh, Daegeri, elle est rare aussi. Elle est rare. Et ça, c'est une très bonne figure. Ok, Daegeri, voilà, pour le. Lenny Rixa, ouais. Crossmaster. Ok. Donc, est-ce qu'on ouvre la tienne du coup? Non, non. Mais tu la gardes la tienne. Oui, je l'ouvre. L'ouvre, il a envie de savoir quoi. J'ai envie de savoir ce qu'elle. C'est Gugus qui va avoir une commune. Super. Du moins que c'est un Sadila, moi ça va. Il y en a des Sadila. Ah. Bon, je pense que tu vas être déçu, ce n'est pas un Sadila. Gugus a chopé effectivement une commune qui est James Blonde. Un cra. Oh, un cra. Non, c'est pas folichon. Un cra. Ouais, mais je l'ai pas, donc c'est cool. Un cra. Bon, allez, non. Allez. Et tu sais qu'il reste quelque chose dans ce sac, regarde. Et oui, et ça, c'est la dernière surprise. Ah, c'est bon, j'ai tout dans mon sac. Non, t'as pas les miennes. Si. Mais ils nous en ont donné. Ah, ils nous ont donné plein. Alors. Bah oui. Mais non, t'en as en plus, toi, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas ce que t'as, toi, mais on a pas les. Bon, alors, globalement. Ça, c'est plus intéressant. On a gagné, en gros, on a racketé Xialé avec plein de petites cartes et tout. Il y a des perfides d'Ocliers. Voilà, il y en a combien des perfides d'Ocliers? Il y en a 4 si je me trompe pas. Ouais. 4 perfides d'Ocliers. Perfides d'Ocliers. On va avoir des karmas, les gars. Ça vaut cher, ça, hein, sur Jiva. Et des trucs Crossmaster aussi, des trucs. Ouais, la cape recyclable. Ok. Ok, bon, je vais une cape. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de leur faire gagner une carte perfide d'Ocliers tout de suite. Tout de suite, là? Ouais, tout de suite, ça veut dire que les gens qui vont regarder la vidéo sur YouTube n'ont pas le droit. Ça veut dire que le premier code. Exactement. Tiens, je te donne toutes les cartes. Moi, j'ai la pièce. Tu grattes ou je gratte? Eh ben, vas-y. Moi, je gratte sur ma cuisse. Ok, sur ta cuisse. Vas-y. Alors, on va vous donner. J'espère qu'elle est gagnante. On va vous donner le code. On le donne à l'oral? Non, bah, on le montre. Ok, on le montre. Oh là, bah, pourquoi il n'y a pas de code? Oh, Xiani nous a volé. Elle nous a donné des fausses cartes. Dépêche, ça fait déjà 10 minutes. Vas-y, alors, vas-y. Alors, tiens. Donc, ça, c'est le... Il a été gratté. Aujourd'hui, à l'instant, vous le voyez, vous ne l'avez plus. On a rien vu. Quelle saloperie. Vous le voyez, vous l'avez vu, vous ne le voyez plus. Non, mais allez, voilà. J'espère que vous serez assez rapide pour le voir, pour le noter. On le voit bien ou pas? Est-ce qu'on le voit bien? Je dois m'avancer. Vous ne l'avez plus. Vous voyez? Vous voyez plus. Allez, voyez, bon, c'est vous bon. Voyez plus. Donc, voilà. Donc globalement, ouais. Cette carte a gagné, c'est bon. Alors les viewers, voilà, maintenant vous avez gagné. Enfin le premier. Ouais, Gugus, tu la rentres, on a un bouclier. Alors, soyez présents ce soir à 21h pour 21h le live, live. Sur la conclusion de l'encama. Line up, fine fest, de tout ce que vous voulez, la convention 8. On est là. Ouais, plein d'interviews, des interviews, plein de vidéos vraiment sympas, les nouveaux jeux et compagnie. Bon bref, voilà, soyez présents. Et à ce soir, bisous les viewers, on vous aime. Bisous.
Voyez-vous, j'ai besoin des vidéos. Bisous, bisous. Ouah, c'est trop la classe. C'est bon, t'as coupé ?